Bonjour tout le monde, ici The Rock. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les Firebirds. On se retrouve encore une fois sur une humiliation, élimination, dévastation. Appelez ça comme vous voulez, là. Euh, peu importe. C'est décevant. On a passé une ronde. Oui, ok, on a franchi une étape euh, en tant que franchise. Mais avec l'équipe qu'on avait, là... Euh, pff, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'on doit y aller d'un grand ménage? Parce que quand même, là. Ça va en deuxième ronde avec une bonne équipe. Oui, les Blues ont une solide équipe, effectivement. Mais 3-2, 3-2. Des matchs chéris, 4-2. Victoire de 3-2, victoire de 3-2 encore. Brendan, Willy. Et là, euh, euh, mise... Euh, mise à jour, euh, mise au clair, euh, mise euh, peu importe, là, mise au jeu. Euh... Oui, je dis Brandon Willy. Je sais que c'est pas Willy son nom, mais ça me fait passer à sauver Willy. Donc Brandon Willy, je m'en fous. si C'est Wilkinson. c'est difficile à dire Wilkinson, ça se dit pas bien. Brandon Willy, ça se dit super bien. Donc ça va rester Willy et je connais mon anglais. S'il vous plaît, un peu de respect. Et après ça, défaite de 3-2. L'attaque, c'est pas présenté dans cette série là. Deux buts. Deux buts en plus une prolongation. Deux buts. Trois buts. Trois buts en prolongation. On a, de, on a eu de la misère à marquer trois buts à, après la fin de la troisième période. Et ça, c'est inacceptable. Quand tu une équipe avec autant d'offense, autant de joueurs offensifs que ça, c'est inacceptable. Willy Shifley, Willy qui a, qu a, qu a, qu a quand même... qui a fini meilleur pointeur de la ligue. Mais en, en playoff, là... Euh, c'est 7 points en 12 matchs, moins 3, c'est clairement passé. Vraiment pas des bonnes playoffs pour Willie, on s'attend à un point par match. Shifley, 7 points, même chose. Marner, Marner a bien fait, 9 points, mais Wallstrom, aucun but pour Oliver Wallstrom. Ce gars-là, là, il s'en sort, marqué des buts. 35-28, 39-21, c'est un marqueur, il en a pas marqué en 12 matchs. Braden Point, 7 points. Reuben Porter, seulement que 4 points pour Reuben Porter. Je pense que euh, Porter à l'aise, ça marche pas, et je pense que Braden Point. Son temps est venu avec cette franchise-là. Il reste un an à son contrat. Euh, malheureusement, on ne l'échangera pas. Mais est-ce qu'on va le signer pour l'échanger? Peut-être. Est-ce qu'on va. On peut essayer de le signer maintenant et de l'échanger par la suite. Maxime Mamine, 6 euh, points, c'est bon. Le troisième trio, le Pelletier, 9 points, c'est excellent. Jacob Pelletier. Euh, Josh Anderson, le troisième trio a été excellent. Lyles, c'est vraiment nos, nos meilleurs joueurs. Et Klotz, le maximilien, Klotz qu'on a essayé à l'attaque. Mais c'est vraiment nos meilleurs joueurs qui n'ont pas été là. Morgan Riley a été solide. Rien n'a enlevé à Morgan Riley qui est rendu 90k. Euh, K90 90, 90. aucun but, mais plus 7. Bacos, moins 5. Tyson Berry, moins 1, mais 7 points. Et vraiment, la dernière part de diff sont dans le positif. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment notre attaque, notre premier trio sur qui on dépendait beaucoup trop. Et Tatcho Demko a été bon. A été bon. Euh, mais est-ce que vraiment, je sais pas. Je pense qu'on va essayer de signer, euh, on va aller voir le contrat, on va essayer de signer Brandon Point pour l'échanger au draft. Euh, parce qu'on a quand même Marner à signer, il va demander un beaucoup plus gros contrat. On a Tyson Berry à signer. Je pense pas que Tyson Berry, en plus, son potentiel est défenseur top 4. Et on a des défenseurs qui s'en viennent. Donc Tyson Berry, même chose que Berry, on va essayer d'y offrir un contrat sans euh, toutefois... Euh, le garder, on va l'échanger au draft. Donc Tyson Berry, 4 ans. Je vais lui donner 2 ans comme ça pour une équipe, c'est moins lourd à porter. 6.3, 2 ans. Peut-être qu'il va accepter, peut-être pas. Mitch Marner on va attendre. Burden Point, même chose, même si ça fait longtemps qu'il est avec l'équipe. Lui, il veut re -signer. Et à 28 ans, je comprends qu'il veut un gros contrat. Donc je vais lui donner 6 ans. 7.1 .7 pour Burden Point qu'on va échanger au draft s'il signe. Anderson, euh, on va attendre. Il veut pas signer de toute façon. Mamine on va attendre. Alexia, on va attendre. Toutes -tout des gars qu'on va attendre. Euh, Pelty, on va attendre. Il veut pas signer, ce qui est bizarre. Josh Williams veut re-signer, mais on va attendre. Et euh, du côté des gardiens de but, est-ce qu'on en a? Demko reste encore un an. Et euh, dans les euh, dans les minors, dans le système. Gardez le but, on a Kaminski franchise qui devrait faire euh, un gros jump. On va voir, peut-être peut qu'on va échanger d'Amco au draft parce qu'on a Allenco et euh, Kaminski qui s'en viennent. Euh, on va regarder. On va regarder c'est quoi nos options au draft. Barry a accepté, Point a accepté. Excellent, ces deux joueurs qu'on va échanger au draft. Les Flyers ont gagné la Coupe Stanley les Rockets de Laval qui ont gagné le trophée Calder. Félicitations à eux. On va simuler jusqu'au repêchage, voir qui, qui prend leur retraite. Et ensuite de ça, on va regarder les trophées parce que je pense que Brandon Willie va en avoir. Donc, Seattle, on a le huitième overall de LA. J'avais complètement oublié ça. Donc, on a quand même un top 10 dans le draft, ce qui est excellent. En plus d'avoir franchi deux rondes, on réussit à repêcher dans le top 10. Ça, c'est parfait. Fichez les joueurs retraités est ce qu'on en a du côté de Seattle. Eric Stall, Gets Carter, Williams, qu'avez-vous on va aller voir chez weber j'ai vu le Seattle Firebirds Personne est dans les filets, probablement personne, personne non plus Excellent Ok, et on est rendu là, on est rendu On va aller voir les Flyers qui ont gagné la coupe Bravo à eux, ça du bien pour les Flyers Les Blues, trois fois de suite là C'est une dynastie clairement les Blues Trophée des présidents, Tampa Bay Lightning Clarence S. Campbell et Hoylers de Minton. Excellent. Allez, compas joueurs. Art Ross, Brandon Willie, Let's go. Hart, Brandon Willey aussi. le James Norris. Lafrenière, le Lady Bing. Ok. O'Connell gagne le Calder. Donc, un autre, euh, un autre jeune euh, avec les Devils. Hart, le Consmite. Allen l'avait gagné trois fois de suite. Sergei Brobrovski, le Vezina. M. Jennings, Brobrovski. Bill Masterton, le Frank Selkie, Barkov. Ted Lindsay. Willie, donc Willy a 3 trophées. Et il a le Maurice Richard, donc quatre trophées pour Brandon Willie. Quel homme! Regardez le tableau des séries. Là. Les Blues se sont fait éliminer en 5 petits matchs face aux Oilers d'Edmonton qui ont perdu en 6 face aux Flyers. Donc quand même les Flyers, félicitations à eux. Grosse équipe! On va embarquer dans le draft. On a le huitième. Je m'en souvenais plus du tout qu'on avait le huitième choix. Ça c'est solide. De proposer un échange. C'est sûr qu'on échange pas pour euh, le draft. Ça c'est sûr et certain. Mais on a quand même un gros off season. Là. On a vraiment quelque chose de gros. Le gardien de but Demko 91 overall. Thatcher Demko est rendu 91 overall. Quand est-ce que quand? Eh! Hey! 91, moi je pense, ok Je vais vous dire ce que je pense Avec Thatcher Demko à 91 overall Est-ce qu'il va rester là, ça c'est pas sûr Mais, mais Sa valeur est extrêmement haute Est-ce que Kaminski et Alenko vont être prêts l'année prochaine Ça c'est un point d'interrogation Par contre, on peut garder Demko À 91 overall à l'instant Et au début de la saison Si on voit que, que Alenko et Kaminski sont prêts Pour jouer NHL Demko, il est out. En espérant qu'il euh, descende pas en overall. Mais 91 overall, wow! Ok, défensivement. Morgan Riley, 91. Brady Shake, 88. Bacos 89. Donc lui, il s'en vient. Euh, Dave Top 2 là, va jouer avec, euh, avec Riley, c'est sûr. Klotz 78. Donc Clotz et Shika vont remplacer Barry. Et euh, alexia et euh, tout ça. Donc, euh, défenseur. On va classer. 1, 2, 3, 4. Et 5 et 6. Donc, Olexiak va partir. Olexiak et. Euh, il est où l'autre On en avait pas deux Olexiak et Schuster. Olexiak, c'est Schuster. Schuster, je vais l'échanger à l'instant. Quand une équipe qui, euh, qui veut. Euh, qui les sabres. Peut-être pas dans, euh, dans l'Est, ouais, dans l'Est, ça marche. Les sabres, level. Est-ce que vous avez marché les patineurs Peut-être un prospect. Attaquant à top 6 boss. 74 overall Pourquoi pas on va y aller avec ça. Chien contre euh, Misak! C'est refusé toutefois. Ben là. Euh, <laughs> je, je suis pas tant prêt à donner euh, ben ben plus que ça. Elite, élite, élite, élite. Div top 4. attaque attaquant top 9. Attaquant top 9, parse 23 ans. Ça va passer, ça. Here we go. Accepté. Excellent. Donc Schuster, bye bye. Elle y est droit. Mais ben, en fait, euh, Attaquant au complet. On va regarder là. Willy, 96 overall incroyable de loin le meilleur joueur de la ligue nationale le sacrifice Willy, Shifley, Marner 89 overall excellent va falloir le signer Breton Point on peut l'échanger vu qu'il y a une prolongation de contrat c'est sûr et certain qu'on l'échange mais on va regarder je sais pas pourquoi j'ai quitté mais on va regarder euh, le nombre d'attaquants que ça nous prend est-ce qu'on a besoin d'échanger euh, Point contre un draft pick ou contre un euh, autre joueur ok Attaquant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, il nous en manquerait. Ok, c'est sûr. Puis là, ma et on les a pas toutes tout, tout re-signées. Braden Point, on va les changer. Une équipe qu'ils veulent dans l'Est et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Les Bruins de Boston, est-ce qu'ils ont des joueurs à offrir Marché des Patineurs. Torrey Crew, j'ai pas besoin de. Défenseur. Mais est-ce qu'ils ont un attaquant intéressant Ça prendrait peut-être un allié gauche, mettons. Jake DeBrosk Pas vraiment. Pas vraiment. On continue. Les sables, non, les flames, non. Caroline. Caroline. Jveschnikov. Terevainen. Ouh. Tivo Terevainen. Hmm. Je sais pas. Je pense que j'aime je serais... je mieux trader Brandon Point contre un prospect. Quand un prospect ou un choix repêchage. Les Red Wings qui avaient le premier choix au repêchage, les Hack qui ont, ont des bons joueurs, ils ont honnêtement 91 overall 20 ans, c'est solide. Marché des Patineurs, ils veulent pas donner ce soir, ils veulent pas donner de prospect et choix repêchage, ils ont un deuxième. Bon, on va continuer. Les Oilers d'Edmonton veulent, mais on, on je veux pas l'envoyer dans l'Est si possible. Euh, je veux l'envoyer dans l'Est. Si possible, Burden Point Les Rangers en reconstruction en plus de tout ça Ils ont le quatrième overall On pourrait peut-être essayer de se faire le quatrième overall contre Burden Point Est-ce que ça passe? One on one, c'est refusé, ça prendrait un réel effort On peut faire une méchant trade avec les Rangers Tyson Berry aussi Donc Burden Point et Tyson Berry contre le quatrième overall Et Marché des patineurs, non ils ont rien tous les patineurs, on va regarder là. on va regarder si on a des prospects Ok, ok On précise d'aller chercher leur premier l'année prochaine aussi C'est surtout pour se libérer de la masse là, c'est surtout pour ça Donc deux choix de première ronde et il faudra aller chercher un joueur là C'est sûr qu'il faudra aller chercher un joueur, gardien de but, je pense pas qu'on a besoin de gardien, mais De toute façon, ils en ont pas, défenseur, est-ce qu'ils ont des prospects, ils ont bar Baron, Baron Défenseur polyvalent, pas, pas plus que ça. Il est droit. À Henley, Henley m'intéresse là. Un fabricant de jeu, très bon offensivement. Henley m'intéresse. Donc, deux choix de premier. Henley contre Braden Point et Tyson Berry. Tyson Berry va, va dropper très rapidement. Donc, faut utiliser sa valeur. Braden Point. On a fait le tour avec lui, ça fait longtemps que vous me demandez de l'échanger On se libère beaucoup d'argent Et on se fait un prospect et deux choix de première ronde Dont un quatrième overall Est-ce que ça passe? C'est refusé Ok Ok, 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 ok Peut-être que Peut-être que Henley c'est de trop Si on prend juste un petit prospect là, un petit peu moins fort Sharov est Ce qu'on a un deal, les Rangers. Refusé Si on y va avec le quatrième et. Um, et Henley. Le quatrième et Henley. Contre Burnham Point et Barry. Honnêtement, là, ça serait censé passer, ça. Ouh. Je vois repêchage. Plus un deuxième. Le premier, un deuxième et Henley contre. Point et Barry Refusé Le quatrième contre Point et Barry Et Henley Accepté Excellent Honnêtement Oui ils ont peut-être eu beaucoup Mais ah, Je pense que ça vaut la peine Je pense que ça, faut, ça vaut franchement la peine On allait être, On allait trop être serré Dans les Dans les euh, Dans le euh, salaire. Et en plus On se fait un bon prospect Défenseur top 4 élevé Ryan Hobbs Où on a un élite Holden Chug de. C'est quoi ça? C'est. C'est un chinois. 12 buts, 8 passes. Ou. Oh, Alden Chug a de l'air solide. Oh my god. Oh non. Oh non. <laughs> Valérie Ovechkin. Ou. Ben, c'est pas un chinois en fait. C'est un. Euh, J'ai aucune idée. Niklas Backstrom, style similaire. Ok. J'aime bien Ovechkin, il y a le nom Ovechkin, mais c'est un défenseur. Ça avait été un attaquant, c'est sûr que je sur Ovechkin. Mais on va y aller avec le, c'est pas l'étonné ça c'est quoi ça je... Mais géo est loin gaucher, un centre gaucher, donc on peut le mettre à gauche. Holden Chug, il y a tellement un bon nom en plus. 78 avions, let's go, let's go Chug, meilleur choix. Et hey, pour vrai là, on accote quasiment le premier choix avec ça là. Let's go. Ovechkin était combien overall? 78 quand même. Quand même un gros draft. Ensuite de ça, 73 attaquant top 6. Il y a encore le défenseur top 4 et voilà, 107 7 overall et on est rendu à notre tour. Défenseur top 4, Michael Ivana. Et on a Kubina aussi. Non, Kubina pas vraiment, pas vraiment à date le défenseur. Un Italien. Ah ouais, un Italien, ok. Lui, on n'a aucune nouvelle sur lui. Timo Corpicari. Un autre défenseur. A+. Défenseur -là Ce défenseur-là m'intéresse. Est-ce que j'aime mieux Ivana? Ivana qui Oh, j'aime mieux Ivana. J'aime mieux Ivana. Mais est-ce qu'on a des pépites? On a deux pépites. Un partant. Qui n'a pas de l'air exceptionnel. Et on a Robin Drader. Ok. Qui est loin encore. Et si on regarde le potentiel... On a des gros gars en termes de potentiel. On a un élite élevé ici, Niklas Markstrom. Markstr Markstr Je pense pas que c'est quelque chose d'incroyable. On a un gardien élite encore. Non, on va y aller avec un défenseur top 4. On va y aller avec... Euh, on va y aller avec Ivana, Michael Ivana. Sélection 70 overall div top 4. Let's go. Bonne sélection. On a le premier tour encore, 26e. Je pense qu'on va y aller avec notre défenseur Markstrom. Celui qui était élite, s'il n'est pas sélectionné. élite est élevé. Niklas Markstrom. Défenseur top 6 en première ronde. C'est dégueulasse. <laughs> C'est vraiment dégueulasse. Deuxième tour. Def top 4. Def top 6. Attaquant top 9. Deaf top 4. The given Breen. Pas vraiment. Clutterbuck, la croix Diff, top 4 body top 6 attaque top 6 attaque top 6 il y a pas grand-chose il y a pas grand-chose honnêtement ça fait dur un peu Stéphane Lambert 18 38 non m'intéresse pas ben ben Jingen Clutterbuck, non la croix oh la croix 26 45 Vitesse des pieds, il a pas de l'air. On peut l'essayer. Écoutez, Ra Raphaël Lacroix, un petit Québécois, 20 ans. Euh, 20 ans. Attaque à top 9 sur 2 overall, pas vraiment. Mais bon. Mais bon. Qu'est-ce que voulez-vous Attaquant top 6. Oh, Attaquant top 6. Ok. Timo, Timo Hengreen. Sélectionné, un Finlandais, un allié droit. Attackatops 6, 63 overall. C'est un deal. C'est parfait. Pour Troisième tour, 63 overall, attacatopsis, 6, c'est quand même solide. On continue beaucoup de beaucoup de gardiens. On a un fiasco ici de droit des de lauriers, peut-être. Et on a un allié droit à Robin. On est 90e. On n'est pas obligé de sélectionner ça -là, là On a encore du temps pour le sélectionner. Un gardien, un centre. Pat Boyer. Encore à la GMQ. Et c'est un élite moyen, 61 overall. Let's go mon PAT let's go mon PAT Boyer. Au troisième tour élite moyen, waouh Parle-moi donc d'un vol encore, défenseur top 4, top 4, top 6, un autre. Ronald Blanchard. Ouais, on a des du monde qui viennent de loin le. Alexander Fedorov, un autre gardien élite. Bah, écoutez, pourquoi pas. 47 overall, ça nous fait de la, de la valeur d'échange On sait à quoi s'attendre ça, ça nous fait une valeur d'échange, c'est parfait Quatrième tour On continue Elite, Brendan Lundmark On va y aller avec lui, pourquoi pas On va s'essayer, Brendan Lundmark Attaquant top 9, bas 57 overall, pas vraiment, pas vraiment la meilleure sélection Et là on va essayer de sélectionner notre Notre pépite rendu là Pépite Robin Trader, Elite Bot 49 overall. Ouais, pas, pas incroyable ça non plus. 49 overall, ça commence à faire poche un peu. On va classer par potentiel. Evan Sanders, c'est quoi leurs stats beaucoup de, beaucoup de matchs joués. Non, pas vraiment. Mickelson, non, pas vraiment. Scott, Aaron Scott. M'intéresse. On l'essaye. Aaron Scott, attaquant top 9, 58 overall. Pas vraiment. Septième tour, on va aller piger dans la LAGMQ parce qu'on veut piger dans la LAGMQ donc... Meilleur gars à LAJMQ possible Fred Mickelson On a Gaspatio Talbot uh, Gaspard Talbot Ross Gagnon, hein, ça nous prend un Canadien là Gaspard Talbot, franc-tireur, let's go Attaquant top 9, 57 overall on fait plaisir à la LAJMQ. On draft des kids qui parlent français. Et encore une fois, on t'a eu un solide draft. C'est comme si on avait échangé Braden Point contre Chang. C'est ça, Chang Ou Gang Je sais plus. Je ne sais plus son nom. Chong? Je sais vraiment plus. Il faut signer Chevrier. Signer un petit 5 ans, c'est le seul scout qu'on a signé. Nos scouts font un excellent travail, honnêtement. Et là, je pense qu'il faut signer Brandon Willy De là l'importance de faire de la place pour. De faire de la place pour uh, signer Brandon Willy Gardien de but. Thatcher Demco 91 et Fedora, on va le garder. Ok, on a uh, Klenski qui est par, Qui est, uh, Voyons. Signé Kaminski Alenko. On va voir. Défenseur. Riley c'est beau. Bacos c'est beau. Shea, c'est beau. McLean c'est beau. Oleksiak Bye bye. Hall, on va signer Hall. Peut-être qu'il va avoir de la pile Peut-être qu'il va jouer. 2 ans, 1 million, ça me va. Pour le reste, Ivana, on va le signer parce qu'on veut qu'il joue. Euh, top 6, Elite bon Non, non, tout ça, non. Ok, allié droit. est droit. Est-ce que défenseur, tout le monde était bon Excellent. est droit. Mitch Marner, il faut signer Mitch Marner. On a combien d'argent 26 millions. Il faut faire attention. On y veut 9,2. On va attendre un petit peu. Anderson veut combien d'argent 3,6. On va attendre. Williams en veut combien 1.4 Donner 1 Il point... veut-tu signer Il veut signer Excellent. Williams veut signer 1.3 deux ans pour mon boy Williams. Zablowski... On va le relâcher. On va faire de la place. En ah, HL. Ribeiro, on va te signer. Tocatapsis, Engrin... On va te signer. Pour le reste, on va attendre. Même pour Anderson et pour Marner, on va attendre. les gauche. Brendan Willis, ça c'est sûr et certain, il faut le signer. le plus 14 millions! Il veut 14 millions. On va signer 8 ans. Honnêtement, on va signer 8 ans. Ah. À... Il, veut, il veut signer 8 ans, 15.5 millions. Aïe, aïe. Plus gros contrat un Hitchell, c'est sûr, et certain. Mamine, on va attendre. Boucher, on va relâcher. Relâcher. Tous ces gars-là, c'était pour la Hitchell, donc on s'en fout. Et la croix, on va attendre. Centre. Shifley c'est bon. Porter, c'est bon. Pageau c'est bon. Pelletier, j'aimerais ça te re -signer. Tu veux re -signer? Parfait. 2 ans pour Pelletier. 2,5 millions. Chung, c'est quoi? C'est ça? C'est Chung, 78 overall à 17 ans, man. 17 ans, 78 overall. Toi, bye, -bye Et. Euh, Riska, bye, -bye. Est-ce qu'on a d'autres? Boyer, on veut le faire jouer, ça c'est sûr et certain. Scott, non. Ok. Elle est droit, On va avoir assez d'argent pour signer Marner, je suis pas mal sûr neuf, euh, on va attendre, on va attendre, je veux pas prendre de chance le pique que Willy peuvent pas Non Ouais non on va attendre Avancer d'un jour Ivana Boyer Chung Pelletier Williams Hall Willie Ingram, Ribeiro Tout le monde a accepté notre offre 15.5 millions pour Willy Il nous reste 9.8 C'est juste 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 assez pour signer Mitch Marner c'est 9.8 là, c'est pile poil pour signer Mitch Marner. On va lui donner 8 ans. On va lui donner exactement ce qu'il veut. 8 ans. 8 ans, 9 millions. On va se laisser un petit 800 000 de, de lousse. Aïe aïe aïe, on est serré sur la masse. Peut-être qu'il a changé de si on a un des deux go qui est prêt là. Ça va être la chose à faire parce que là, là, on est... Imaginez si on n'avait pas échangé Barry et Point. On n'aurait pas eu Cheng et on n'aurait pas eu euh, le prospect à l'attaque non plus, Henley. Et on aurait perdu Barry et Point pour rien. Donc à quel point c'est important cette signature-là. On est aux agents libres. Même si on va aller regarder les agents libres, on a 1.7. Austin Matthews. Euh... Austin Matthews, Matthew Barzell sont là. Incroyable. des salaires. Ouf. Matthews demande autant que Willy, C'est. Ouais, c'est. Ok. Gardien de but vers la mauvaise. Là. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on On va regarder quand même les potentiels. Hemminger, Elliot, Oh, c'est sûr qu'on s'essaye avec Hemminger. Partant, non, peut-être pas. Défenseur. Div Top 4. Div Top 4. Pour le reste, non. allié droit. Elite bas, Elite bas, 71 overall, Elite bas, oui, 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 oui Et Dansk, Elite bas, oui, 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 oui De toute façon, on a un masse de place Elle est gauche. Greenway, non euh, Franchise, Matthews, auberg certainement Encore une fois, un de bas euh, Shidou, certainement, un autre Elite bas Et Attaquant top 6 parfait, 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 parfait Simuler jusqu'à la prochaine saison. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Les prospects qu'on va espérer qui a tout signé. Tout le monde a signé. Let's go. Très très bonne nouvelle encore. Et on va simuler jusqu'au début de la saison voir qu'est-ce qu'on. Bon, capitaine et assistant. Willie capitaine, Marner assistant et. Morgan Riley, assistant, c'est parfait. On va continuer et on va aller modifier les lignes. Je souhaite quasiment qu'on ait un gardien qui est prêt NHL pour pouvoir peut-être avoir 10 millions de loss en échangeant Demko, gardien de but. Arico est 82 overall, mais il est gardien réserviste et dans le système 78 overall. Yuri Kaminsky qui est aussi gardien réserviste. De toute façon, je vais attendre de voir ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on échange Thatcher Demko et on fait Allen Coe, et on fait jouer Jeffrey Allen et euh, Yuri Kaminski en, inter en intervalle? Ou est-ce qu'on garde Demko? Ça va être à vous de voir. Défensivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hall est toujours pas prêt à jouer NHL, donc on va le descendre, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a un défenseur de trop. Klotz est là, euh, top 6, 20 ans. On a Erickson qui est là, défenseur de top 6. On a McLean. On a Chaka Chaka c'est sûr qu'il joue, ça c'est obligé. On a OK. On a Gaucher avec Bacos qui est droitier. Ça c'est notre première paire. On a Bridishe qui est gaucher. Et est-ce que Chaka est droitier? Chaka est gaucher aussi. Timothée est gaucher, Ericsson est gaucher et Klotz est gaucher. On n'a pas, pas de défenseur droit. Je peut-être un des... Soit McLean, soit Erickson, soit Klotz pour aller chercher un défenseur droitier pour jouer avec British. Shea. pourrait jouer sur la dernière paire avec... Mais jouer aussi en powerplay et en piqué avec euh, un des deux défenseurs qui restent. Échangez deux des trois, échangez deux des trois, McLean, Erickson ou Klotz, deux de ces trois-là contre un bon défenseur top 4 Et Tchaika va jouer avec le défenseur qui reste Dites-moi ce, dites ce que vous en pensez, est-ce que c'est fou ou pas Pardon, Willy, euh, Shifley, Marnus, c'est bon, Wallstrom, Porter, Pelletier, Pajot il nous manque clairement, il nous manque clairement des attaquants là. Aïe aïe aïe, il nous manque clairement un attaque. À moins qu'on remette Klotz à l'attaque. <laughs> pense pas que c'est la meilleure des choses à faire, mais bon. Ok, ça c'est bon. Wallstrom Porter. Euh, là, on a Calvin Frase à gauche qui est un, un homme fort. On, ça n'a pas rapport. Euh, Lyles Peltier. Peltier, ça va sur la troisième avec Williams. Henley, Cameron Henley, c'est le prospect qu'on est allé chercher avec Pageot et Chung. Chung, attaquant remplaçant, ok. Je veux foufou aller il faut, faut trouver un moyen d'aller chercher du dep. Donc dans les commentaires, dites-moi ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on échange, à la limite là, on, peut, on peut échanger Demko contre Thatcher, Dem ou Alenco, on peut changer Alenco et mettre Kaminski, on peut échanger Kaminski, mais on, en, on échange un des trois gardiens contre un ailier Gauche de deuxième trio pour jouer avec Porter et Wallstrom, et on échange... Un des trois défenseurs McLean, Erickson ou Klotz Contre un défenseur droitier Tchaika va aller là Et va jouer avec soi Erickson ou Klotz Donc dites moi dans les commentaires Ce qu'on fait On est serré sa masse On a un beau casse-tête Mais je pense qu'on va y arriver Bonne continuation Aimez, partagez, commentez Abonnez-vous si n'est pas le cas. Ciao bye